Et ouais, exactement, Gundam Memories, alors vraiment un excellent Gundam sur PSP et comme tu dis, malheureusement sorti qu'au Japon. Pour le jeu que c'est, crois-moi, c'est dommage. Vraiment dommage. Alors bon, j'ai aucune donnée sur ce jeu, malheureusement. Donc, ça va être une pseudo-découverte pour moi, mais bon, c'est plus un direct play parce que je connais le jeu, hein, y a pas de soucis. On va commencer par Gundam 00. Alors, un des meilleurs Gundam qui est sorti pour ma part. Avec des mechas bien stylés. Vous allez voir, vraiment. Ouais, peut-être que les décors y paraîtront vides, mais les mechas, bordel. Surtout les musiques, quoi. Oh, c'est génial, hein. Alors, petit tutoriel. Ah oui, y a pas que les japonais, c'est sûr. Moi de même, toi aussi, sûrement. Les occidentaux, les européens, enfin, tout le monde, quoi. Il y a beaucoup de fans de mecha. Et c'est de la place aux autres, bordel. Ça, plus ou moins. Ok. Ok, L. On vise avec le bouton L. On fait ses attaques avec triangle. Ça me fait penser au jeu Gundam 00 également sorti sur EDS, qui reprenait un petit peu la même filature de gameplay. J'aurais présenté une fois des jeux EDS, tiens, en live, mais bon. Au vu de la stabilité de DS Moomé, c'est pas facile. Transhalm, et c'est stylé, je te dis. Chargement bien moins long, mais surtout une efficacité encore plus grande, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut changer de personnage à un moment, mais je sais plus quel bouton par contre. Attends. Voir ce qu'ils vont me dire. Oh, éliminer tout ça. Merci Captain Obvious. Comment est-ce que... Ah oui, voilà, comme ça. Le bouton sect, on peut changer de mecha, ça je trouve ça pas mal du tout. Alors certains se spécialisent pour les attaques à distance, et que d'autres, bah, c'est attaque rapprochée. Ou même les deux, ou même les deux. Alors fais voir ce que tu as dit. On a eu droit au punishment qui était en mer, mais pas... Ah oui. Et c'est quel jeu, Game Boy Advance, que tu as retenu? Yep, parfait. Chain of Punishment, c'est des très bons jeux. Ah oui, l'OST vraiment. Je pense que c'est des reprises de l'anime, hein, tout simplement. Enfin, pour un jeu d'histoire, tu me diras, c'est un peu logique. C'est un peu logique. Ok, putain. Ah, il y a beaucoup d'ennemis. Alors, on va prendre le suivant.
Je sais pas ce qu'il vaut lui, par contre, mais ça annonce que du bon. Bon, j'espère que j'aurai pas de problème pour l'exportation, que j'aurai pas de problème avec les droits d'auteur, mais bon, normalement ça va. J'ai déjà fait passer du Super Robot Taizen, hein. Alors que t'as Code Geass, t'as Gundam Zero, t'as Mazinger, donc Mazinger égale Goldorak, hein, en français. Voilà quoi, normalement ça devrait aller largement. Mission complète. Excellent ça. Ah, c'est sûrement Super Robot Taizen, tu sais. T'avais Super Robot Taizen R, A, J, D, Original Generation et Original Generation 2 sur GBA. Oh, c'est Destiny. Oh, ça je veux bien. Oh, Seed Destiny. T'avais également des jeux Seed Destiny hein, sur GBA. Tu avais Seed Destiny, c'est Destiny, hein, normal. Tu avais Battle, je sais plus comment, et tu avais un autre jeu, mais bon. Only Jab, quoi. Donc ça m'étonnerait que tu l'aies eu. Ah putain, le chien, quoi. Ah, ça va être génial, cette partie, je le sens. Oh, je sens que ça va être le kiff. Seed Destiny. Ah oui, Seed Destiny, c'est mon Gundam favori. Pour te dire. En français, d'accord. Ou alors c'est Zone of the Ender, The First of Mars. C'est possible aussi. Parce que le jeu était en français. C'est un jeu sur les mechas qui fait justement penser à beaucoup à Gundam. Si jamais j'ai fait un direct play dessus. En live. En plus en live quoi. Les gens avaient bien aimé quand même le jeu. Ça bouge bien, ça lag pas. Hein. L'émulateur, il se débrouille bien pour ce jeu. Il se débrouille bien, l'émulateur. La vitesse du jeu aussi, elle est pas mal. J'ai pas de compagnon. Ok, pas de soucis, Sasuke. N'hésite pas surtout. Ça me ferait plaisir que tu te fasses plaisir à le retrouver. C'est un jeu de mecha, franchement. Moi, je suis fan de mecha. Faut le dire, je suis vraiment fan de mecha, donc bon. Question jeu tout ça, question bibliothèque, à chaque jeu de mecha, je me fais plaisir quoi. Bon, à part peut-être le jeu Evangelion qu'on a fait tout à l'heure, qui est vraiment. Sans dire qu'il pue la merde. Voilà quoi. C'était pas fameux quoi. Mais des jeux comme ça où tu voles librement, tout ça, enfin, généralement j'adore quoi. M'en faut pas beaucoup, hein. M'en faut pas beaucoup pour me faire aimer un jeu de maker. Après, c'est sûr, c'est pas objectif. C'est pas objectif dans ces cas présents. Mais voilà quoi. Moi je suis fan. Oh yeah. Par exemple, des jeux que j'aimerais bien montrer, tu vois, c'est des jeux Macross. Mais pour te dire, Macross, c'est très dur parce que Macross égale animé musical. Et généralement les musiques de l'anime, c'est très dur à passer sur YouTube.
J'ai fait un direct play sur Macross Ultimate Frontier. Il y avait une musique de Macross 7 qui est Dynamite Explosion. Tout le son de ma vidéo était coupé pour ça. Voilà. Du coup, je l'ai mis sur Dailymotion, qui eux ont accepté. Mais c'est chaud, hein. C'est grave chaud, hein, Macross. Et pourtant, Macross, c'est ma série de mechas préférées. C'est ça qui me fait un peu mal au cœur que je peux pas tellement présenter, tu vois. Oh, vous allez vous calmer tout de suite. Ah ouais, c'est sûr, les droits d'auteur, ça rigole pas. Surtout, comme je dis, Macross, c'est un anime musical, quoi. Donc bon, vu que les droits d'auteur passent surtout par les musiques, voilà, quoi. C'est surtout ça qui fait un peu mal aux fesses, tu vois, pour le coup. Ah, mais... tu fouilles au combat, vil traître, vil infâme. Que je l'aime bien, ce jeu, vraiment. Bon, tu fais que répéter la même chose, théoriquement. Hein. J'ai refoncé sur l'ennemi, passé à l'autre, tout ça. Oh, trois en même temps. C'est bien. Mais une fois que tu actives, genre, ton trans-arme, un truc comme ça, que tu augmentes ta vitesse, tout ça, je trouve que c'est grave stylé, quoi. Tu les élimines limite en un coup, les ennemis. Et quand tu vois que tu élimines trois en même temps, là, c'est bien. C'est cool. Oh! Bien joué. Oh, j'ai éliminé alors qu'il était derrière moi. Bon, si tu veux. T'avais qu'à pas traîner là, j'ai envie de dire. Ah, c'est ça, malheureusement. C'est le vice de YouTube, hein. C'est un mal pour un bien, théoriquement, hein, j'ai envie de dire, les droits d'auteur. Mais bon. Pour certains jeux, c'est dommage, quoi. Ah, d'accord, bon. Ils étaient réapparus et moi bah, j'ai gagné. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Surtout, ce que j'adore dans ce Gundam, c'est le chara-design. Putain de merde, je l'adore. J'ai toujours été fan. Et dans Sokyo no Hefner aussi, c'est le même chara-designer, tu vois. Et wow. J'ai joué qu'au jeu PSP, qui est vraiment m'a laissé une mauvaise impression, mais ça me donne envie de voir l'anime, quoi. Ah oui, sûr. Là, c'est Gundam, merde, comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus. Je le dirai mille fois. Je sais que le mecha est bien stylé. Et qu'il peut se transformer. Normalement, si j'active le mode de transe, il devrait se transformer le mecha. Normalement, si on suit bien les codes de l'anime, ça devrait se passer ainsi. On peut peut-être reprocher que les décors sont vides, tout ça. Mais d'un côté, tu te bats au-dessus des nuages, tu te bats dans l'espace. J'ai envie de dire, là c'est normal. Ouais, pareil, pareil. Mais je me souviens plus du nom, c'est dommage quoi. Non, il se transforme. Voilà. Oh putain, il est trop stylé comme ça quoi. Oh, le fan service. Ah, le fan, il est touché en plein cœur là, tu vois. Putain, il est grave stylé. Oh yeah! L'un des ennemis les plus badass de tous les Gundam. T'as super rapide, oh là là. C'est tellement rapide, c'est stylé comme tu dis.
Ah, l'émulateur il tient bien, c'est ça que je suis content. L'émulateur, il tient bien pour le coup. C'est ça que je suis content. Ah, la musique derrière en plus quoi. En plus, ah ça va. Oh, mais regarde, il est trop beau comme ça, quoi. En plus, ça se bat, hein. Ça se bat partout, hein. Les explosions, t'as tout ça, quoi. Ah ouais, elle. Oh putain. Ah, je sens que je vais avoir du mal, là. Par contre, c'est l'antagoniste principal, je pense, hein. Dans Dynasty Warrior Gundam Reborn, ils sont vraiment pétés ces Gundam. Dans Dynasty Warrior Gundam Reborn, c'est. Waouh! En plus, ils prennent les musiques, quoi. Le fan, il est comblé, là. Comme je répète, le fan, là, il est. Ah! Il l'a très à cœur, ce jeu. Oh, j'ai adoré ce recul à la fin, là, ce genre de face à face. Ça papote, ça papote. Ah oui, les transformations, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme, vraiment. C'est surtout ça que j'adore dans Gundam, tu vois, 00. Les transhams sont excellents. Dans Gundam Seed, le brisage de cristal est excellent. Enfin, je trouve ça tellement stylé. Pour ça, je suis vraiment un éternel fan des mechas et surtout des Gundam, quoi. Des super robots aussi, Par exemple, Goldorak. Goldorak, c'est excellent. C'est peut-être ça date maintenant, mais c'est, je trouve ça excellent. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Comme ça, on pourrait profondément, tu vois, profondément, oui, bah, pleinement profiter de ces jeux avec les traductions, tout ça. Ah, l'affrontement. Oh putain. What? What? Oh là là. Eh oh. C'est de calmer que tu vas te faire, toi. Tu vas te calmer. Goldorak, qui s'en souvient pas de Goldorak? Avec ces fameux. Ces fulgureux points. Les fulgureux points de Goldorak. Ah, ça c'est un boss, tu vois. Ça c'est un putain de boss. Ah, mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Forte. Waouh. Ah, c'était comme zéro. Putain. Et oh. Violence. Putain. Ah ouais. Bah, ce qu'on se souvient surtout de Goldorak, c'est le canon sur sa poitrine, le fulgure au poing, enfin tout ça quoi, tout ça, c'est génial. Tellement de bons souvenirs. Wouah, mieux vaut tard que jamais, comme je dis après, tu vois. Oh, Gundam 00 et ses OST, s'il te plaît. Surtout le Final Battle de Gundam 0, il est excellent aussi. Son film Awakening of Trailblazer, il est très bon aussi. Justement, on est face, bon, à l'antagoniste principal, hein, ici, le Gundam 00. C'est d'un coup plus facile. Oh, mais tous ces coups de boost, tout ça, je trouve que c'est grave stylé, quoi. Bon, c'est moi qui prends cher, là.
Bah, je vais en profiter. Par contre, c'est moi qui prends cher, même si je suis en trans-âme. Allez, on y est presque. Ouais, mais il faut que j'utilise la garde, moi aussi. Oula, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a eu? Ah, il a dit à son... Ah, merde. Cette Setsuna, c'est le robot, hein, donc, qu'on contrôle. Il y a eu un petit moment, pétage de câble, le pauvre. Ah, je vais recommencer ce combat. Je vais recommencer ce combat. Mais je fais pas assez le bouton de garde, aussi. Je fais pas assez le bouton de garde, et c'est ça qui me fait perdre, forcément. Ah... Forcément, si je mets pas à garde, que je vais perdre. Je devrais privilégier également les petites attaques à distance. Ça peut être pas mal. J'espère qu'il y a Gundam Zeta par contre aussi. Gundam Zeta c'était pas mal aussi. Il y a eu un bon jeu sur PS1. Gundam Zeta c'était pas mal aussi. J'ai vu tellement de Gundam, faut dire. Je sais pas dire quel est réellement mon favori entre Zero, Seed Destiny, tout ça. Enfin, j'ai un peu dit Seed Destiny tout à l'heure, mais... Faut dire ce qu'il y a. J'ai pas tranché. L'univers Gundam est tellement grand. Tu t'y perds tellement. Putain, j'ai déjà plus de vie. Tu rigoles. Ah oui, super intéressant, je trouve perso aussi. Contre, il m'a l'air assez difficile quand même. Ouais. Il m'a l'air assez difficile. Faut savoir utiliser les patterns et pas foncer connement comme je fais. Bon, je vais faire la dernière mission ici, je pense qu'on... Ouais. Quoique... Je sais pas, on verra. Ah merde! J'ai encore confondu mes touches. Ultima, tu confonds tes touches, c'est pas bien. Allez. Oh, ah oui, on a Atron avec nous. Donc, bah allons-y, tout simplement. Allons-y. Oh putain. So classe. Prendre hein, pour le coup. Parce que tu veux. Ah mais c'est directement le boss là, oui c'est vrai. Ah, tu m'étonnes que je sais pas le détruire facilement. Forcément, si je m'attaque direct au boss, c'est normal. Ah, les autres ils m'emmerdent. Tiens. Oh, c'est tellement rapide ce jeu, s'il te plaît. Warning, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh, Freedom. Si c'était Freedom, je serais déjà mort. Il ressemblait un peu. Par contre, le boss. Elle est dangereuse, elle. Alors, l'anime, elle pète parfois des plombs, c'est assez incroyable. Alors, en termes de dessin, c'est excellent, crois-moi. Tu peux aller voir les yeux fermés.
Ah, parfait. Parfait, parfait. Mission complète. Bon. Par contre, on va se faire une dernière mission et je pense qu'on s'arrêtera là pour le live. Ça aurait fait plus de 4 heures de live au total. Ah ouais, ça déconne zéro quoi. Jamais de petits temps de chargement. En plus d'être court, les temps de chargement, c'est bien. C'est bien, un très bon point. Du coup, on a notre nouveau mecha. Tiens, il est grave patasse. T'as l'impression que le mec, il s'en fout des coups qu'il reçoit. Il fonce, quoi. Non, vraiment, les mangas, ils sont très très bien. Également. Comme je dis, tu peux vraiment enfoncer les yeux fermés. Il n'y a pas de souci avec ça. Oh, shit. T'es là, toi. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. De toute façon, comme je dis, il y a des rediffs. Et voilà, pour te dire, Evangelion, c'est un jeu qui volait franchement pas haut, pour dire. C'est dommage. C'est dommage pour la qualité de l'anime que c'est. Ou caisse, c'est pas grave. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. C'est humain. C'est humain, je dirais. T'en as, il râle pour ça, mais moi j'ai envie de dire, bah, c'est humain, quoi. Voilà. Faut voir le bon côté des choses, hein, aussi. Attends, je vais prendre toi, Atren. Fuck. Freedom. Oh, il y a ça à détruire. Ah bah, on va pas se gêner. Quoique, ça va être trop long. Il y a Freedom, putain. Ah. Ça va être chaud. Comment il m'a démonté? Oh putain, mec. Ah, ça m'a pu démonter, c'est me violer là. Oh là là. Eh, mais ça va bien ou quoi? Le mec, il s'en bat les couilles. Hein. Putain. Eh ben génial. Bon, merci beaucoup. Bon bah voilà. Bah écoutez, bah merci d'avoir assisté à ce live, tout simplement. Merci, merci beaucoup. Et merci à toi, Devi Satsuki, d'être venu. J'espère que tu auras bien aimé en tout cas.
Et voilà, et bah merci à tous ceux qui sont venus également. Et voilà, tout simplement, vraiment très 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 bon moment passé avec vous en tout cas. On aura fait vraiment beaucoup de jeux. Huit jeux au total, hein. C'est pas rien les gens. C'est pas rien du tout. Bah on va couper le game, voilà. Ah voilà. C'est bien, c'est bien. Bah voilà, sur ce, je vais pas faire plus traîner la chose. Bah merci d'être venu, merci d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous tout le monde. C'était Team Apple, et ciao bye bye tout le monde. À la prochaine live, allez, bisous.